Il y a certaines destinations qui nous font rêver. Des îles paradisiaques, des villes historiques, des paysages magnifiques. Et d'autres, un peu moins. C'est de ces autres lieux dont nous allons parler dans cette vidéo. Des lieux interdits au public. Et ce, pour toutes sortes de raisons. La superstition fait encore partie de notre monde. Et certains lieux sont considérés comme maudits. C'est le cas par exemple du fort de Bangar, dans l'état du Rajasthan en Inde. Ce fort a été construit par Bhagawant Das, un général de l'armée moghole du XVIe siècle. De nombreuses histoires de malédictions circulent autour de ce bâtiment. La première parle d'une princesse victime de magie noire de la part d'un prêtre jaloux. On raconte aussi l'histoire d'un ascète qui habitait près du fort en construction et exigea qu'il ne fût pas plus grand que sa maison. Un homme, Ajab Singh, n'a pas respecté cette condition, et depuis, le bâtiment serait maudit. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme le plus hanté d'Inde, et il est interdit d'y entrer entre le lever et le coucher du soleil. Venise, ah, Venise, la cité des doges, la sérénissime, la reine de l'Adriatique, Venise, l'une des plus belles villes du monde. Mais juste à côté de cette lumière se trouve l'ombre de l'île de Poveglia. Au XVIe siècle, plus de 160 000 malades de la peste y seront déportés et enterrés. Des siècles plus tard, en 1922, un hôpital psychiatrique sera construit sur l'île. Peste et hôpital psychiatrique, de bons ingrédients pour créer une malédiction. Des rumeurs ont alors commencé à circuler, selon lesquelles les patients voyaient les fantômes tourmentés des victimes de la peste. Le médecin en chef décidera d'enquêter sur ces phénomènes, en pratiquant des lobotomies et des expériences sur ses patients. Plus ou moins de la torture. Cela ne donna rien. Pire, le médecin en chef a lui aussi été victime d'hallucinations et s'est suicidé en se jetant du haut du clocher du village. Cette île et cet hôpital sont considérés comme parmi les lieux les plus hantés du monde. L'île est interdite aux touristes et l'hôpital est complètement abandonné. Parfois, certains lieux touristiques, même parmi les plus visités du monde, se retrouvent interdits au public. C'est le cas de la pyramide de Chichen Itza au Mexique. La pyramide aurait été construite au 8e siècle par les peuples indigènes. Pendant plusieurs années, les touristes pouvaient escalader la pyramide. L'ascension n'a jamais vraiment posé de problème, mais la descente, si. Les visiteurs étaient souvent pris de vertige et devaient s'aider d'une corde pour descendre. Il y eut de nombreux accidents, dont certains mortels. C'est pourquoi, depuis 2007, il est interdit d'escalader la pyramide. Moins connue, la Pravsika Brana, en République tchèque. Il s'agit de la plus grande arche de grès naturelle d'Europe. À cause d'une importante érosion de la roche, l'endroit est préservé depuis 1982. Il est désormais interdit de l'escalader ou même simplement de marcher dessus. Il est d'ailleurs malheureusement probable qu'à cause de cette érosion, l'arche s'écroule tôt ou tard. S'il y a bien un endroit qui fait rêver les historiens du monde entier, ce sont les archives secrètes apostoliques du Vatican. J'en profite pour vous dire qu'on a fait dernièrement une vidéo sur les scandales de l'Église catholique. N'hésitez pas à aller la regarder et bien sûr à vous abonner si ce n'a pas été déjà fait. 2000 ans d'histoire, 1,5 million de documents pour 85 km linéaires de tablettes d'étagères. Il faut une autorisation spéciale, rarement accordée, pour pouvoir consulter ces archives. De nombreux ouvrages restent d'ailleurs totalement inaccessibles, notamment ceux précédant le 8e siècle. Qui sait quel genre de secret renferment ces archives? Dans le même ordre d'idées, beaucoup moins prestigieux et à mon avis beaucoup moins intéressant, le bunker secret de l'église mormone. Le bunker se situe dans les montagnes de Little Cottonwood Canyon à Salt Lake City dans l'Utah. Et on peut se demander quels sombres secrets se cachent dans ce bunker. Eh bien on y trouve près de 3,5 milliards de photos de familles mormones. Rien de bien passionnant. On reste dans le bunker, mais en beaucoup plus utile,
avec la réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège. Il s'agit d'un bunker dont le rôle est de conserver des graines et des semences de tous les types de cultures agricoles du monde. Le lieu a été choisi pour son climat, idéal pour ce type de conservation. Le bunker est peut-être moins intéressant que les archives secrètes du Vatican, mais certainement plus utile que les photos de famille mormone. Les lieux interdits peuvent l'être également pour protéger les éventuels touristes ou visiteurs de la mort. Et je ne parle pas d'accident, comme pour la pyramide de Chichen Itza, mais bien d'un danger de mort proche de 100%. C'est le cas par exemple de la porte de Pluton à Hiéropolis en Turquie. Il s'agissait au départ d'un sanctuaire romain dédié au dieu des enfers Pluton, équivalent de Hadès chez les Grecs. Cette porte servait à pratiquer des sacrifices d'animaux, et sa légende provient du fait que lorsque les prêtres s'approchaient de la porte, les animaux mouraient instantanément, tandis que les prêtres restaient vivants. De nombreuses personnes ont tenté par la suite de s'approcher de la porte et sont mortes à leur tour. Quelle est donc l'explication de ce mystère ? Serait-ce une malédiction ? Eh bien non. En fait, la réponse, elle est toute simple. Les Romains ont construit ce temple au-dessus de failles géologiques, dégageant du dioxyde de carbone, ou CO2. Cette concentration de CO2 est si lourde qu'elle peut tuer à la première inhalation. Ce qui arrive encore aujourd'hui avec des oiseaux, des insectes et autres petits mammifères. Les prêtres romains étaient évidemment au courant et retenaient leur respiration le temps nécessaire. On enchaîne avec un endroit plus aquatique, la fosse des Mariannes. Située dans l'océan Pacifique près de l'île de Guam, il s'agit de la fosse océanique la plus profonde du monde, et aussi de l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Le 25 mars 2012, le réalisateur James Cameron devient le premier homme à explorer seul la fosse. Il va descendre jusqu'à 10 898 mètres de profondeur. Le record sera établi en 2020 par un vaisseau chinois qui descendra à 10 909 mètres de profondeur. Il est évidemment interdit de se retrouver aux alentours de cette fosse, sauf exception. On va parler maintenant de Skull Island. Cette île a été interdite à cause de la présence d'un singe géant nommé King Kong. Je rigole, évidemment, mais d'autres îles ont été interdites. Les singes sont adorables, quand ils ne font pas 30 mètres de haut bien sûr, mais ils peuvent aussi être très dangereux. L'île Morgan en Caroline du Sud aux États-Unis en est le bon exemple. L'île contient près de 4000 macaques. Au départ, ils proviennent de Porto Rico et ont été transportés suite à une épidémie. L'île est inhabitée, par des humains en tout cas, et il est illégal de s'y rendre. Pour la sécurité des singes, bien entendu, mais aussi pour celle des touristes, car les macaques ne sont pas très amicaux. Après les singes, les serpents. Direction l'île de Queimada Grande, au Brésil, surnommée l'île aux serpents. On va pas se casser la tête. L'île est inhabitée, et pour cause puisqu'elle contient la population de serpents la plus dense du monde. A noter que le venin des serpents de l'île est en moyenne 5 fois plus puissant que celui des autres espèces. Cette île est interdite aux touristes, et je pense qu'il n'y aurait de toute façon pas beaucoup de candidats au voyage. Alors certes, les singes et les serpents, ça peut faire peur. Mais sur l'île de North Sentinel, en Inde, ce sont les humains qui sont dangereux. Les membres de la tribu qui compose l'île sont appelés les Sentinelles. Il s'agit de l'une des dernières tribus à être totalement coupée du monde moderne. Il y a une interdiction formelle de poser le pied sur l'île. La tribu Sentinelle tue sans hésitation toute personne qui s'y risquerait. Le danger peut aussi venir des visiteurs, puisqu'ils risquent de transmettre des virus. Les sentinelles se retrouveraient alors en grave danger, puisque du fait de leur isolement, ils n'ont aucune immunité aux maladies extérieures. La tribu des sentinelles a fait l'actualité en 2018. Un missionnaire évangélique américain, John Cho, a eu la brillante idée de vouloir convertir les sentinelles. À peine arrivé sur l'île, il sera criblé de flèches.
les sentinelles vont le traîner avec une corde attachée à son cou. Et son corps sera retrouvé sans vie le lendemain. On pourrait croire que ces lieux sont déjà suffisamment isolés, et que le risque est donc minime. Mais il existe aussi des lieux interdits dans certaines des plus grandes villes du monde. C'est le cas notamment avec l'île de North Brother à New York. Cette île, située sur l'East River, entre le Queens et le Bronx, a d'abord été utilisée comme hôpital. Elle a ensuite servi en 1885 à mettre en quarantaine des victimes de la fièvre typhoïde et de la variole. Dans les années 1950, c'est devenu un centre de désintoxication contre l'héroïne. L'île est abandonnée depuis 1963, et la nature a depuis repris son cours. Certains jeunes ont tenté de s'y aventurer, mais une partie d'entre eux se sont retrouvés par accident sur l'île où se trouve la prison de Rikers Island. La surveillance a donc été accrue et il est désormais interdit d'y aller. Quand ce ne sont pas les animaux, les humains ou les maladies, c'est la nature elle-même qui est dangereuse. En témoigne l'île Heard en Australie. Durant de nombreuses années, elle servira pour la chasse aux phoques. Deux éléments ont conduit les autorités à interdire l'île aux touristes. Les températures très froides et surtout le massif volcanique de Big Ben. Ce volcan est régulièrement en phase d'éruption, la dernière datant de 2012. Normalement, si on est sain d'esprit, on ne va pas sur une île où de la lave s'échappe en permanence d'un volcan et dont le risque d'éruption est plutôt élevé. On va terminer cette liste par une île, encore une, et pas n'importe quelle île. Il s'agit de l'île de Surtsey en Islande, qui est l'une des îles les plus jeunes du monde. Elle est apparue après plusieurs éruptions volcaniques entre 1963 et 1967. Situation idéale pour les scientifiques, une île étant l'endroit parfait pour un centre de recherche. Le but étant de comprendre comment se forme un écosystème sans l'intervention de l'homme. Seuls des scientifiques ont l'autorisation de pénétrer sur l'île. Ils ont interdiction de ramener quoi que ce soit d'extérieur pour ne pas perturber les recherches. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On est bientôt 1500 sur la chaîne. Si c'est la première fois que tu viens ici, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, à nous rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description, à mettre un pouce bleu, un commentaire, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!